قامت بلدية نانتير الفرنسية بتنظيم يوم خاص ليوم الطفل العالمي التي تخصصه في كل سنة من شهر نوفمبر، ويأتي ذلك بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي أعلنته الأمم المتحدة بتاريخ 20 تشرين الثاني. à la mairie de Nanterre. Aujourd'hui nous sommes à une journée spéciale lors de l'organisation de la semaine des droits de l'enfant. L'anniversaire du 30e anniversaire, il est organisé par la ville de Nanterre. Le service Enfance et Loisirs la met en place pour offrir, apprendre, transmettre les valeurs des droits de l'enfant, rappeler tout les nécessaires, comment et de quelle manière on peut protéger un enfant, lui offrir ses droits. L'événement d'aujourd'hui, c'est un événement où on propose tout ce qui touche, qui parle de la nutrition, qui parle de la santé, qui parle des droits fondamentaux de chaque enfant à la culture, au besoin de manger, de se nourrir, d'avoir un toit, de l'amour, de l'éducation. C'est pour cette raison que cette journée est organisée. ولقد زار رئيس بلدية نانتير السيد باتريك جاري الفعاليات التي نظمتها البلدية، وقال جاري على كل رجل وامرأة أن يقوموا بإحياء وإعلاء حقوق الطفل المقدس في كل العالم. وأضاف السيد زكريا بن عمار أن هذه الأنشطة تعزز النهوض بحقوق الطفل. il faut dans tous les pays du monde que des hommes et des femmes prennent se lèvent et puis se mobilise pour le droit des enfants. Je crois que c'est une cause sacrée. Il y a des pays où les enfants travaillent. On fait travailler les enfants parce que c'est une manière d'avoir des ressources pour la famille. Et donc, il faut à la fois interdire le travail des enfants, mais il faut en même temps que les familles puissent avoir les moyens d'élever les enfants. C'est important qu'il y ait des lois, qu'il y ait des règlements internationaux, mais parce qu'il faut forcément fixer la loi, mais la plus difficile, c'est pas de faire la loi, c'est de la faire appliquer, c'est de la mettre en œuvre. On considère qu'aujourd'hui en Palestine, notamment sur les terres d'occupation, les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Il y a les conflits qui concernent les adultes, et on en pense qu'on veut, même nous, on a une sensibilité ici en France et à Nanterre là-dessus, et il y a ce qui concerne les droits de l'enfant qui sont universels. ومنها تم تخصيص عدة فعاليات ثقافية ورياضية وفنية، وقد شاركت فيها السيدة جيهان جرار بورشة تعليم الرسم بواسطة فمها. وأكدت جيهان أن على كل طفل في العالم أن يؤمن بالسلام والسعادة رغم الصعوبات. Je pourrais leur offrir un petit bout d'aquarelle, un petit bout de couleur, et avec ces couleurs qui puissent eux-mêmes y puiser leur force qui est au fond d'eux. Car chaque être humain a en soi une force qu'il ne soupçonne pas. Et dites à ces enfants-là qu'ils doivent croire fort aux belles choses de la vie, malgré l'adversité qu'ils peuvent subir chaque jour.